I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. I don't think they running at my pace. Yes! Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il est 9h30 du matin, on se trouve ici à Poitiers dans ma ville natale, on est dans ma chambre d'hôtel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire vivre une journée avec moi. Aujourd'hui est un jour spécial puisque je vais vous emmener ce soir, on va le vivre ensemble, une soirée que je sponsorise, un gala de boxe. Et oui, The Investor, on a décidé avec l'équipe de sponsoriser un événement de boxe puisque c'est un sport que j'affectionne particulièrement, ça va être sympa. Donc ça se trouve ce soir là, dans quelques instants, je vais vous emmener dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel. Je vais vous présenter un nouveau partenariat de l'entreprise, une nouvelle association. Je me languis déjà, vous allez voir. C'est parti les amis, je vous emmène avec moi, let's go. Ok les amis, alors je parle un petit peu doucement puisqu'il y a des gens autour de nous. Je vous présente Bilal. Comment tu vas Bilal, la forme? Bilal qui est un sportif de haut niveau dans la boxe et qu'on a décidé aujourd'hui de sponsoriser et d'accompagner durant ces 3 prochaines années dans sa carrière sportive. Et ce que je vous proposais, c'est que tu puisses un petit peu te présenter, dire un petit peu qui tu es, quelles sont tes ambitions sportives, ce que tu as déjà accompli. Moi c'est Bilal Benama, je suis licencié au Benaï Boxing Club, membre de l'équipe de France Olympique de boxe, médaillé de bronze tout récemment au championnat du monde en Serbie. Un rebondissement, on va dire, après ce qui s'est passé à Tokyo. Là on repart sur une Olympiade, les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris, à la maison, en espérant ramener la plus belle médaille. La plus belle médaille, yes. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Quels sont tes réseaux? Parce que moi, j'ai regardé quelques de tes combats et c'est vrai que ça en voit bien. Et pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui souhaiteraient un petit peu voir qui tu es, ce que t'as, tes combats, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? C'est vrai que moi, je mets beaucoup de contenu sur Instagram. Sur Insta. C'est vraiment là où tout se passe. Ok, super. Quel est ton Insta? Alors, c'est Bilal Benama. Génial, super. Bon, on va vivre cette journée ensemble. Merci Bilal, en tout cas, je suis vraiment très heureux de pouvoir t'accompagner. Ça va être une belle aventure. Les amis, c'est parti, on continue. Let's go. Yes les amis, alors je vous explique rapidement la raison de ce partenariat. En fait, moi j'ai une histoire un petit peu particulière avec la boxe puisque depuis tout petit en fait, mon père m'a un petit peu initié à ce sport. Il a également, lorsqu'il avait des restaurants sponsorisés, un boxeur qui s'appelle Maïr Monchipour qui l'a accompagné durant une grande partie de sa carrière. Et donc j'ai pu assister à de nombreux matchs de boxe. Alors je n'en ai pas fait, par contre je me suis pris pour passion de ce sport. Et aujourd'hui, l'occasion s'est présentée à moi de pouvoir sponsoriser ce jeune sportif Bilal qui a 155 combats à son actif pour 31 défaites, donc c'est génial. Il a l'ambition d'aller aux Jeux Olympiques pour pouvoir aller encore plus loin dans sa carrière, donc les JO de 2024, et je suis vraiment très heureux de pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Et voilà, ça me fait plaisir. C'est aussi pour ça aussi qu'on fait les choses, que j'ai construit aussi mon entreprise, c'est pour pouvoir œuvrer dans d'autres sphères, dans d'autres aspects. Nous avons ce soir donc au gala son frère qui combat, qui est lui professionnel, et je vais vous le présenter ce soir en fin de vidéo. Ok les amis, donc là pour vous recontextualiser un petit peu la chose, moi et mes amis, on est revenus de Dubaï il y a à peu près 4 jours. Évidemment qu'avec des t-shirts et des shorts. Là à Poitiers, on doit faire à peu près 10-15 degrés, c'est ça? À peu près. Donc là, on va se diriger dans un magasin de vêtements pour acheter une petite veste pour ce soir et pour échanger, pour échanger une veste qui n'est pas à son goût. Donc c'est parti, let's go. Thank you.
Yes les amis, ça y est, donc on vient d'arriver. On va rentrer dans quelques instants au sein du gymnase pour le gala de boxe. On s'est préparé, on est prêt. C'est parti, let's go. Yes les amis, donc ça y est, nous sommes au sein du gymnase où va se dérouler le gala de ce soir. Vous pouvez voir juste ici le ring avec les différentes tables. Voilà, ça va être une soirée exceptionnelle, je suis ravi de vous présenter ça. On y va, c'est parti. Yes les amis, je voulais vous présenter aussi Eduardo qui est mon ami, mon meilleur ami, on se connaît depuis le collège et on partage cette passion de la boxe, sauf que lui, à ma différence, il l'exerce et ça fait maintenant 6 ans et je voulais te présenter et surtout que tu expliques un petit peu toi qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer la boxe et qu'est-ce que tu apprécies dans ce sport aujourd'hui. Alors, je suis tombé dans la boxe complètement par hasard déjà. J'ai appris à découvrir ce sport en le faisant justement. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on l'appelle le noblard. Mmh. Pour moi, pour être un boxeur, il faut pas seulement avoir une bonne condition physique, mais c'est d'abord au niveau de la tête que ça se passe. Donc un mental, c'est important pour pouvoir avoir la stabilité en tant que boxeur. Moi, la chose qui me plaît de plus, en tout cas dans la boxe, c'est la discipline. Mmh. Voilà, c'est vraiment un sport où lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut pas être champion du monde, on ne peut pas être champion tout court. Pourquoi ? Parce que c'est important de faire la différence entre la motivation et la discipline. Parce qu'il y a des jours où on se lève le matin, on n'est pas motivé. Exactement. Donc, il fait chaud, il fait froid, donc on n'a pas envie. Mais lorsqu'on est discipliné, bien, lorsque l'envie de courir n'est pas là, mais on le fait quand même. On le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix. On se donne pas le choix. Et voilà, j'apprécie vraiment ce qu'il vient de dire. La discipline, c'est pareil pour réussir dans le business, c'est pareil dans l'investissement. Il faut mettre en place des routines. Parce que la motivation, c'est éphémère, mais la discipline, c'est des habitudes à mettre en place. Voilà, merci Eduardo pour ce petit tips. Merci mon frérot. Partager aussi une des raisons qui m'anime à créer ce genre d'événement, à participer à ce genre d'événement, c'est pour pouvoir rassembler autant de personnes qui, après une année très difficile, on le sait, nous a plus divisé que rassemblé. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de pouvoir des gens qui ont pour passion la boxe se réunir. On va vivre une soirée exceptionnelle. Nous avons juste ici les tables des différents sponsors. Et juste en haut, il y a d'autres tables, des tables un petit peu plus hautes. On va avoir une vue un peu plus plongeante sur la soirée. Donc nous, on est juste en haut. Voilà les amis, ça va être d'enfer. Only time I'm ever capping is when the show sell out. Most of y'all cannot imagine being a ghost to clout. Not respected or connected when the modem's down. And quick to form the clowns whenever the hoes around. But me, I'm penny wise, smart with all the money coming in. From the gutter, built it brick by a fucking brick. I got calluses to prove it, I've been heavy lifting. Revealing what was meant to happen, it's already written. She let me hit it to my songs while she sing along. My exes all got someone new, but we still involved. Can't wait to text them all the news when I hit the charts. No response to congratulations, cause they missed the mark. Now it's meetings for releases up at Sugarfish. Cast it out the catalog, she beat the strings I'm pulling in. Don't compare me, I'm what you coulda, shoulda, woulda did. Claiming you get slept on, but your catalog is full of shit. It's not a gift, had to get it on my own terms. I designed the blueprint, studied, did the homework. Built the foundation, I believe in my own worth. Invested in myself and watched the money hit the growth spurt. On top of that, I'm no longer who she been avoiding. 200 texts and in a row on how a friend to join it. She wrote with Wilhelmina Miles. I got several choices, one going down, the other one rubbing essential oils on my neck, that's my vice.
The dread growing on me, this shit come with lessons. Have you questioned life? Less advice from the people who've been blocking doors. Thankful for what I got, but respectfully wanting more. Kind of saw how bad it got, I'm waiting, made it one before. À l'hôtel, j'étais vraiment très heureux de vous partager ce format de vidéo peu commun sur la chaîne. Vous allez aussi avoir très bientôt des news du partenariat avec Bilal qu'on accompagne pour les Jeux Olympiques en 2024 qui se dérouleront à Paris. On vous tiendra au courant un petit peu de toute l'histoire, notamment sur mon Instagram et aussi sur la chaîne. Voilà, j'étais vraiment très content de vous partager cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos. Je vous dis à très très vite les amis. Ciao, ciao.